Adolf Hitler n'a jamais caché que l'Union soviétique était l'ennemi mortel du Troisième Reich. Il est le communisme. Les Aryens doivent conquérir les grandes steppes fertiles de l'Est, riches en matières premières. Grâce à cette nouvelle terre promise, la race allemande assurera sa domination sur le monde. Dès les premiers mois de 1941, le Führer tourne en rond dans sa retraite des Alpes bavaroises. Il prépare son prochain méfait, l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Ses forces, soigneusement rééquipées, ont été redéployées à l'est. Elles sont prêtes pour le grand assaut. Staline est censé être l'allié de l'Allemagne, et cette position lui va d'autant mieux que son pays est loin d'être prêt à la guerre. Malgré son avance technologique et sa supériorité en nombre, l'armée rouge a été considérablement affaiblie par les purges staliniennes des années 30. Les trois quarts des officiers ont été exécutés ou emprisonnés. La paranoïa maladive de Staline a brisé le moral et l'efficacité des forces armées soviétiques. Lors de l'invasion de la Pologne voisine, Staline a désespérément maintenu le statu quo, donnant des ordres pour ne pas offenser l'ogre allemand. Mais avant de commencer sa propre campagne de Russie, Hitler doit sécuriser le flanc sud de l'Europe. La Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie sont des alliés fiables. Mais au mois de mars 1941, le gouvernement yougoslave, pro-allemand, est renversé par des forces proches des Britanniques. Pays voisin, la Grèce, est également pro-britannique. Le 6 avril 1941, l'armée allemande pénètre dans les Balkans. La 33e division entre en Yougoslavie. Toute résistance est rapidement étouffée. La capitale, Belgrade, se rend le 12 avril. La Grèce s'effondre avec la même rapidité. Malgré l'aide britannique, Athènes est prise en moins de 3 semaines. Désormais, Hitler a les mains libres. L'opération Barbarossa peut commencer. La progression des 4 millions de soldats allemands sera soutenue par 3000 avions. L'offensive se déploie sur 3 axes. Au nord, un corps d'armée doit envahir les États baltes et s'emparer de Leningrad. Au centre, un autre corps d'armée doit progresser vers Moscou. Le troisième, situé au sud, doit occuper l'Ukraine. Les généraux allemands sont restés bouche bée lorsque le Führer leur a exposé ce plan. Tous l'ont trouvé trop ambitieux, voire dangereux, car il obligera à l'éparpillement des forces, mais aucun officier n'ose faire part de ses doutes.
L'armée rouge est en meilleure position. Elle peut engager rapidement 2 millions d'hommes sur le front ouest et dispose de millions de soldats en réserve. Avec 20 000 chars d'assaut, les forces blindées russes surpassent en nombre les 6 000 chars allemands. Les chars russes sont plus vieux et moins puissants, mais ils n'en constituent pas moins une formidable puissance de feu. Pour les Allemands, une seule solution. Profiter de leur supériorité technologique pour frapper le plus vite possible, avant que l'armée rouge ne puisse concentrer ses forces. Mais cette stratégie sera-t-elle efficace? Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, l'opération Barbarossa commence. À l'aube, la Luftwaffe attaque les terrains d'aviation soviétiques. Dans le même temps, les forces au sol montent à l'assaut. Les premières unités nazies franchissent la rivière Boug, frontière naturelle entre la Pologne et l'Union soviétique. Les panzers s'enfoncent profondément dans le territoire russe. En deux jours, ils parcourent plus de 80 km vers l'est. Toutes les tentatives de contre-attaque russe sont irrésistiblement balayées. Des dizaines de milliers de prisonniers sont regroupés à l'arrière. Les avions allemands se sont rapidement rendus maîtres des airs. Malgré sa supériorité, l'armée rouge paraît totalement tétanisée par l'audacieuse manœuvre allemande. Le 29 juin, 7 jours après le début de l'invasion, deux chars Panzer suffisent à capturer d'énormes forces russes près de la ville de Minsk. Avant même l'arrivée de la Wehrmacht, 300 000 Russes se sont déjà rendus. Dans certaines régions, les Allemands sont accueillis en libérateurs. C'est particulièrement le cas en Ukraine, où le sentiment anti-russe est très fort. À Moscou, Staline s'est littéralement effondré en apprenant la nouvelle de l'offensive. Pendant plus d'une semaine, il s'est enfermé dans un mutisme total. Le 3 juillet, il réagit enfin et en appelle au patriotisme de son peuple. Il faut sauver la mère patrie. En Grande-Bretagne, Winston Churchill est plus nuancé à l'annonce de l'offensive. Bien sûr, cela signifie que son pays ne se battra plus seul. Le Premier ministre britannique annonce donc que tout ennemi de l'Allemagne nazie est un ami du Royaume-Uni. Mais il s'empresse d'ajouter, malgré nos différences politiques passées. Il expédie à Moscou une mission diplomatique qui signe un traité d'assistance mutuelle avec le ministre des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov. Mais le Royaume-Uni ne peut pas faire grand-chose pour aider l'Union soviétique, sinon expédier quelques vivres par mer. À la fin du mois de juin, l'offensive allemande a pénétré si profondément au cœur du territoire soviétique que rien ne semble pouvoir arrêter Hitler. Il est pourtant sur le point de commettre une première erreur stratégique.
Au début du mois de juillet 1941, près de 300 000 soldats de l'armée rouge sont encerclés à l'ouest de Minsk. Les commandants des unités blindées, en particulier le général Guderian, sont partis en chasse. L'opération Barbarossa fonctionne à merveille. En moins d'une semaine, les Panzers sont à Smolensk, à seulement 300 km de Moscou. Le 22 juillet, un mouvement d'encerclement à l'est de la ville piège 310 000 soldats soviétiques. L'armée allemande réalise alors une brève pause pour permettre au reste des troupes de faire la jonction. Si les blindés progressent rapidement, le gros de l'infanterie avance à marche forcée et le ravitaillement est transporté par des chevaux. Malgré ça, en 5 jours seulement, toutes les troupes sont rassemblées et se préparent à reprendre leur progression. La manœuvre peut être envisagée 9 jours plus tard. De gigantesques colonnes de prisonniers russes prennent le chemin de la captivité. Près de 2,5 millions ne reviendront jamais. Moscou n'est plus qu'à 300 km et la route paraît ouverte. Il semble même que la capitale russe tombera avant la fin de l'été. Le plan fonctionne donc parfaitement. À certains endroits, l'avancée allemande rencontre toutefois quelques difficultés. L'armée rouge contre-attaque plus efficacement. Mais à la mi-juillet, le corps d'armée allemand situé au sud n'est plus qu'à 80 km de Kiev. Hitler décide alors que les panzers de Guderian doivent délaisser Moscou pour soutenir l'offensive sur Kiev. Guderian proteste énergiquement, mais Hitler s'obstine. Aucune troupe ne progressera vers Moscou tant que Kiev ne sera pas tombé. Une erreur stratégique qui s'avérera fatale. Quelques indices démontrent désormais que l'armée rouge ne sera pas balayée aussi facilement que prévu. Les renforts soviétiques semblent sans limite. Plus de 16 millions d'hommes sont mobilisés. Et l'armée rouge dispose désormais de nouvelles armes. En particulier, le nouveau char T-34 de 37 tonnes. Il est équipé d'un canon de 76 mm. Il est plus rapide et plus adapté aux terrains accidentés que le Panzer Mark IV. Alors que la blitzkrieg se poursuit, les signaux d'alarme se multiplient. Le 23 août 1941, les panzers de Guderian poursuivent leur poussée vers le sud. Ceux du corps d'armée sud remontent vers le nord 3 semaines plus tard. La tenaille se referme sur Kiev le 16 septembre 1941. Deux corps d'armée soviétiques sont anéantis. 500 000 d'hommes sont hors de combat, tués ou capturés. Le même jour, à plus de 1600 km de là, le corps d'armée nord encercle Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Désormais, la ville est séparée du reste de l'Union soviétique. Un long siège commence. Adolf Hitler a décidé de ne pas ravager la cité. Les troupes allemandes doivent la faire tomber en affamant ses habitants.
les conditions des assiégés deviennent vite dramatiques. La seule liaison avec le reste du territoire passe par le lac Ladoga à l'est. Mais c'est un cordon ombilical bien mince qui ne suffira pas à alimenter toute la ville. Dès le mois de novembre, 11 000 personnes seront mortes de faim. En hiver, les convois sur les eaux gelées se multiplieront. Ce ne sera pourtant pas suffisant. En une seule journée du mois de décembre, 3 700 habitants mourront d'épuisement. À l'automne, le dispositif militaire allemand est prêt pour l'assaut final sur Moscou. Les panzers de Guderian ont rejoint le corps d'armée du centre. Les Russes sont en infériorité numérique. Les Allemands alignent deux fois plus de chars et d'hommes. Dans le ciel, c'est pire. La flotte nazie compte trois fois plus d'appareils que l'armée rouge. L'assaut est lancé le 20 septembre 1941. Une fois de plus, les charges de Panzer s'enfoncent cruellement dans les flancs de leurs adversaires. Le 7 octobre, de nouvelles troupes soviétiques sont prises au piège. Mais Staline est déterminé. Moscou doit être défendue jusqu'à la mort. Il demande au maréchal Georgi Joukov d'organiser la défense de la capitale russe. Joukov n'est pas un bleu. Il est sorti vainqueur du conflit russo-japonais de 1939. Les habitants sont mobilisés pour creuser des tranchées anti-chars. Mais c'est à un autre obstacle de taille que les Allemands vont se heurter. Le mauvais temps. Le 8 octobre, un déluge s'abat sur eux. Les véhicules s'embourbent. Certains sont littéralement avalés par des flots de boue. À la fin du mois d'octobre, l'offensive allemande vient mourir à quelques encablures de Moscou. Les intempéries et la résistance acharnée des Russes ont eu raison des nazis. Hitler n'aurait pas dû retarder l'assaut sur la capitale soviétique. Cette erreur va lui coûter très cher. Pour le moment, il est plutôt satisfait, car dans le même temps, le corps d'armée sud a atteint la mer Noire, capturant 100 000 soldats soviétiques de plus. Mais la progression des troupes est désormais gênée par le mauvais temps. La ville de Kharkov est tout de même prise le 24 octobre 1941. Mais il va falloir se battre contre un autre ennemi, le froid. Les troupes allemandes parties en guerre au cœur de l'été sont happées par l'hiver. Les tenues chaudes ne sont pas arrivées sur le front. La fière armée allemande gèle sur pied. Aux portes de Moscou, le corps d'armée du centre est paré pour l'assaut final. La capitale doit tomber, et vite. Le 4 décembre, les unités de pointe ne sont plus qu'à 26 km de la place rouge. Les radios crépitent. Des patrouilles de reconnaissance ont aperçu les dômes dorés du Kremlin. La nuit même, la température baisse encore. Au matin, les moteurs des chars ne redémarrent pas. Les armes sont inutilisables et de nombreux soldats ont de sévères engelures. Le 5 décembre, l'offensive est stoppée. L'hiver vient de sauver l'armée rouge. Mais les Allemands sont confiants. Au printemps, ils parachèveront la mise au pas de l'Union soviétique. Les troupes de Staline ont été bousculées sur tout le front de l'Ouest. Mais la donne va changer.
Le dictateur soviétique a dû, pendant tout l'automne 1941, se prémunir d'une attaque japonaise en Sibérie. En novembre, l'un de ses espions au Japon l'assure que les troupes nippones ne passeront pas à l'offensive. Trente divisions rejoignent aussitôt le front ouest en empruntant le transsibérien. Ces régiments sont parfaitement équipés et entraînés pour combattre dans le froid glacial de l'hiver russe. Au début du mois de décembre, plus de 500 000 hommes sont venus renforcer les troupes en position près de Moscou. Le 5 décembre, alors que les Allemands ont renoncé à prendre la ville, une violente contre-attaque les surprend. Après un intense barrage d'artillerie, des vagues de chars soviétiques T-34 percent leur ligne de défense. L'attaque est sauvage, désespérée, car les Russes n'ont plus grand-chose à perdre. Les Allemands décrochent dans la précipitation. Les sept jours suivants, les troupes soviétiques démantèlent les forces nazies. Pour Hitler, qui a stoppé l'offensive sur Moscou du bout des lèvres, le choc est terrible. Le 19 décembre, il destitue le commandant en chef, le Feldmaréchal Walther von Brauchitsch, et prend lui-même la tête des opérations. Heinz Guderian et 35 autres officiers supérieurs font aussi les frais de cette purge. Hitler n'a qu'un mot d'ordre, arrêter la retraite. Les soldats allemands doivent combattre et mourir s'il le faut, là où ils tiennent le terrain. Et ça marche. La ligne allemande se stabilise enfin. De son côté, Staline, exalté par le succès de ses troupes, réclame une offensive générale. Le maréchal Joukov, fort de son expérience, tente de le dissuader, en vain. De violents combats opposent les deux adversaires durant les quatre mois suivants. Mais les Allemands sont bien retranchés et aucun assaut n'est décisif. Cette fois, Hitler, habitué aux offensives éclairs et aux victoires rapides, a des raisons de s'inquiéter. Son armée est embourbée loin de ses bases, au cœur du territoire soviétique, et les Russes ne semblent pas devoir lâcher prise aussi facilement que prévu. Ce problème ne sera bientôt plus le seul casse-tête du Führer. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque les États-Unis sans sommation. Hitler doit soutenir son allié en déclarant la guerre aux Américains. Voilà un ennemi, et non des moindres, qu'il n'avait pas prévu d'affronter. Au début de l'année 1942, Hitler décide de poursuivre l'offensive en Russie. Il doit établir une nouvelle stratégie. L'attaque tous azimuts n'est plus envisageable. De plus, tous les analystes économiques allemands l'alertent sur le faible niveau des réserves de carburant. Il décide donc d'arrêter les attaques au nord pour se focaliser sur les forages pétroliers du sud.
Nom de code de l'opération, bleu. Le corps d'armée A progressera au sud de Kharkov afin de s'emparer des champs pétrolifères, pendant que le corps d'armée B couvrira la manœuvre le long du fleuve Don. C'est à ce moment précis que les Russes tentent de reprendre Kharkov. De violents accrochages se produisent. L'armée rouge perd 70 000 hommes durant les combats. 200 000 partent en captivité. En marge de l'opération bleue, les Allemands ont poursuivi le siège du port de Sébastopol, en Crimée. Pendant 8 mois, les assiégés ont subi un bombardement incessant. Un canon de 400 mm monté sur rail a ravagé la ville. À la fin du mois de juin 1942, Sébastopol se rend. La route vers le pétrole du Caucase est enfin totalement ouverte. Le 28 juin, l'offensive commence. Le corps d'armée B force le passage vers le Don et progresse sur sa rive occidentale. Le corps d'armée A doit faire face à une résistance farouche. Mais le 19 juillet, il atteint les abords de Rostov. C'est à ce moment précis qu'Adolf Hitler prend une série de décisions qui vont s'avérer désastreuses. Alors que le corps d'armée B suit le plan prévu, le Führer le détourne pour qu'il s'empare de Stalingrad. La ville n'a pas une importance stratégique majeure, mais l'atteindre est un sacré défi. Deux semaines plus tard, Hitler commet une nouvelle erreur. Agacé par la trop lente progression des troupes dans le Caucase, il leur envoie la plupart des panzers du corps d'armée B à travers les montagnes. L'avancée vers Stalingrad ralentit. Renforcé par les blindés, le corps d'armée A s'engage dans une course à travers le Caucase. Il n'est plus qu'à 130 km de la mer Caspienne et menace de couper de tout soutien les troupes soviétiques présentes dans la région. Mais Hitler change à nouveau d'avis. Excédé par la trop lente avancée de ses forces vers Stalingrad, il ordonne aux panzers de retourner vers le nord. Le 9 août, le corps d'armée A atteint les premiers champs pétrolifères à Maïkop. Trop tard, les Russes les ont entièrement dévastés. Sans renfort, les troupes allemandes ne peuvent poursuivre leur conquête des puits de pétrole situés dans le centre du Caucase et près des côtes de la mer Caspienne. De toute façon, l'attention d'Hitler se porte ailleurs. À la fin du mois d'août, le corps d'armée B parvient enfin à Stalingrad. Stalingrad, la ville de Staline, l'ennemi mortel du Führer. Hitler veut l'anéantir. L'une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale va commencer. Le 17 août 1942, le général de la 6e armée, Friedrich von Paulus, ordonne à ses troupes de franchir le Don pour s'emparer de Stalingrad.
Six jours plus tard, des panzers parviennent sur les bords de la Volga, au nord de la ville. Les combats débutent dans les faubourgs. Hitler semble tenir sa plus grande victoire. Stalingrad est l'un des centres industriels de l'Union soviétique. La cité, longue de plus de 18 km, s'étend sur la rive ouest du fleuve. Ses usines produisent un quart des tracteurs, camions, pièces d'artillerie et chars d'assaut du pays. Mais les habitants ont eu largement le temps de fortifier la ville pendant que les panzers du corps d'armée B rejoignaient le sud. Ils ont disposé de 2 semaines pour se préparer à l'assaut. La stratégie allemande est simple. Emporter la ville au cours d'une offensive massive. La plus longue et la plus atroce des batailles de la Seconde Guerre mondiale débute. Les fantassins et les chars allemands progressent derrière le rouleau compresseur des Stuka qui bombarde minutieusement chaque rue. Les combats sont d'une rare sauvagerie. On s'étripe pour une maison, on se bat dans chaque pièce. Les assiégés utilisent les réseaux d'égouts pour se protéger et communiquer. Les tireurs d'élite se camouflent dans les ruines. Les renforts russes doivent emprunter le fleuve. Ils sont sous le feu des avions allemands. Pourtant, des milliers d'hommes rejoignent le front. À la fin du mois de septembre, l'offensive allemande a ouvert un chemin vers le centre de la ville. La Volga n'est plus qu'à quelques encablures. Pour Hitler, la chute de ce symbole est devenue une obsession. Le 4 octobre 1942, le général von Paulus se prépare à ordonner ce qu'il croit être l'assaut final. Les chars avancent, se frayant un passage dans les ruines, tirant à bout portant sur les défenseurs terrés dans les maisons encore debout. Un officier allemand témoigne : notre avancée ne se mesure pas en mètres parcourus, mais en nombre de cadavres. La victoire paraît acquise, mais les Allemands ont trop étiré leur ligne. À la mi-novembre, les défenseurs de Stalingrad reçoivent des renforts. Plus d'un million d'hommes, 13 500 canons, 900 chars et un millier d'avions rejoignent secrètement le front. Le 19 novembre, l'armée rouge attaque le flanc nord allemand. Après un important barrage d'artillerie, les chars T-34 percent les positions des assiégeants. C'est au tour des nazis de se rendre par milliers. Le jour suivant, un autre assaut dans le sud, cette fois, remporte le même succès. Le 23 novembre, à l'ouest de Stalingrad, la tenaille soviétique coupe en deux la 6e armée allemande.
Le général von Paulus pense qu'il doit se replier. Mais Hitler lui ordonne de tenir ses positions et de poursuivre le combat. La Luftwaffe assure au Führer qu'elle pourra parachuter les vivres nécessaires aux troupes bloquées à Stalingrad. Cela suffit pour qu'Hitler leur demande de résister en attendant une hypothétique relève. Le 12 décembre, le Feldmaréchal Erich von Manstein, commandant en chef des troupes stationnées dans la région, lance l'opération Tempête d'hiver. Pour venir en aide aux forces de von Paulus et briser l'encerclement soviétique, il va lancer une charge massive de Panzer. Les deux premiers jours, l'offensive fonctionne. Mais l'armée rouge ne tarde pas à réagir. Le 23 décembre, les chars allemands sont tout de même à 45 km de Stalingrad. Manstein demande à Paulus de tenter une percée pour se libérer de l'étau soviétique. Paulus attend les ordres de Berlin. Hitler refuse catégoriquement. Quoi qu'il en soit, c'est déjà trop tard. Le maréchal Zhukov enclenche une nouvelle phase de son plan de bataille. Il lance un assaut massif sur les forces blindées venues secourir von Paulus. Les Panzers sont repoussés hors de la ville et à la fin du mois de décembre, la garnison allemande assiégée dans les faubourgs de Stalingrad a perdu tout espoir de repli. Le pire est à venir, car le ravitaillement aérien est un fiasco complet. Pour survivre, les soldats doivent réceptionner 700 tonnes de marchandises par jour. Ils n'en reçoivent jamais plus de 80. La météo est défavorable, et désormais ce sont les chasseurs du Normandie-Niemen qui maîtrisent le ciel. L'étau se referme de plus en plus sur les forces nazies. . 200 000 hommes sont piégés. Le 8 janvier, les Soviétiques leur demandent de se rendre. Ils refusent. Le 31 janvier 1943, von Paulus abandonne. Il se rend sans condition. Près de 100 000 soldats partent en captivité. 5 000 seulement reverront l'Allemagne. Stalingrad porte l'empreinte du sang versé. Les Allemands y ont sacrifié 300 000 hommes. Leurs alliés en ont perdu autant. Les Russes accusent des pertes similaires, dont des milliers de civils. Pour l'Allemagne nazie, la bataille de Stalingrad est la première catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sera pas la dernière. Désormais, l'armée rouge passe à l'offensive sur la totalité du front occidental. Pour les Soviétiques, Stalingrad est un triomphe. Mais le maréchal Zhukov n'entend pas s'arrêter là. Il veut maintenant repousser les troupes du corps d'armée A, encore stationnées dans le Caucase. Les troupes russes franchissent les montagnes.
Au début du mois de décembre 1942, elles sont à 180 km de Rostov. Cette fois, ce sont les Allemands qui courent le risque de se faire disloquer. Hitler n'a pas d'autre choix. Il doit autoriser la retraite du corps d'armée A. Les mois suivants, les Allemands réussissent une ingénieuse opération de repli. Des centaines de milliers d'hommes se retirent. Le 12 janvier 1943, Joukov libère ses forces. Les Soviétiques progressent sur un front de 750 km. Les Allemands sont moitié moins nombreux. Le Feldmaréchal von Manstein réalise un mouvement de retraite parfait. Mais à la fin du mois de février, le drapeau rouge flotte à nouveau sur Koursk et Kharkov. Cette offensive d'hiver a porté un coup fatal à la puissance allemande. En quelques mois, Hitler a perdu 1 million d'hommes, un grand nombre de chars et de pièces d'artillerie. De son côté, l'armée rouge a préservé son énorme potentiel humain. Le Kremlin a augmenté la production d'armes. Moscou peut même compter sur l'aide matérielle des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Les Allemands ne bénéficieront plus longtemps de leur avance technologique. Le char T-34 soviétique est un redoutable tueur de panzers. Les orgues de Staline, les Katyusha, taillent en pièces les troupes allemandes. Hitler croit encore qu'il peut gagner. Il rêve d'une offensive éclair qui repousserait les Soviétiques et lui permettrait de reprendre l'initiative. Le Führer a choisi le lieu de l'attaque. Ce sera Koursk, à 400 km au sud de Moscou. C'est là que les Soviétiques ont enfoncé très profondément les lignes allemandes. Mais sont-ils réellement vulnérables? Hitler le croit. Il veut les anéantir en détruisant leurs lignes de défense. Il compte particulièrement sur une nouvelle génération de chars d'assaut, conçus spécialement pour traquer les formidables T-34 soviétiques. Le char Tigre ne pèse pas moins de 55 tonnes. C'est un monstre. Il est lent, mais possède un canon de 88 mm. Il est surtout renforcé par un blindage frontal qui le rend quasiment invulnérable. Un autre char, le Panther, plus rapide, participera à cette offensive blindée. Armé d'un canon de 75 mm, il sera un adversaire redoutable pour le T-34. Ce matériel est de conception si récente qu'Hitler est obligé de retarder l'offensive pour permettre aux chaînes de fabrication de produire et d'acheminer sur le front le nombre de chars nécessaires. Mais avant même que les forces allemandes soient rassemblées, le commandant en chef soviétique, le maréchal Joukov, sait tout du plan de son adversaire. L'un de ses espions, infiltré au sein du haut commandement nazi, lui a fourni le lieu exact de la prochaine attaque. Joukov a donc ordonné la construction d'un ensemble de fortifications, des fossés anti-chars, des champs de mines, de larges ceintures d'obstacles infranchissables. Il a aussi considérablement augmenté ses forces dans la région en comblant les points les plus vulnérables de sa défense avec des unités de blindés et d'infanterie. À quelques jours du déclenchement de l'attaque, les Allemands sont inférieurs en nombre et surtout ils sont attendus.
Il n'y aura pas d'effet de surprise. Le 5 juillet 1943, alors que les nazis s'apprêtent à se mettre en route, les soviétiques déclenchent contre eux un intense barrage d'artillerie. Pourtant, le jour suivant, les panzers quittent leur position de départ. Très vite, ils sont contraints d'affronter un ennemi parfaitement retranché. Cette fois, il n'y aura pas de guerre éclair. L'offensive est même un quasi-désastre. Au nord, pour 9 km conquis, les Allemands perdent 25 000 hommes et 200 chars. Au sud, l'assaut est plus concluant. La charge s'enfonce de 37 km dans la défense soviétique. Mais à quel prix ? Hommes sont tués au combat. 350 chars sont détruits. Un bref instant, le commandement peut croire au succès de la percée. Jusqu'à ce que Joukov fasse intervenir fort. Le 12 juillet 1943, 900 chars s'élancent sur le flanc allemand. Chars d'assaut sont désormais engagés dans ce qui restera comme la plus formidable bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale. Les T-34 russes écrasent les lignes allemandes en tirant à bout portant sur leurs cibles. Après une seule journée d'un combat sauvage, les nazis battent en retraite. Ils laissent derrière eux 350 carcasses de blindés. Dans les airs, la bataille fait également rage. Mais les forces aériennes russes ont désormais le contrôle du ciel. Un formidable tueur de chars est lâché, le Ilyushin IL-2 Stormovik. Le 23 juillet, les Allemands abandonnent tout le terrain conquis les jours précédents. L'élite de leur armée vient d'être décimée. À Koursk, Adolf Hitler a envoyé à la mort 50 000 hommes. Il a perdu 700 de ses meilleurs chars d'assaut. Pour le Führer, c'en est fini des rêves d'offensive victorieuse à l'Est. Les Russes viennent de faire basculer le cours de la guerre.